Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Donc ça, on va pas parler d'analyse de perso, mais on va parler du mode ligue. Alors pourquoi je fais cette vidéo là? Alors il faut savoir que j'ai déjà fait un tutoriel concernant ce mode là, mais il y a plus d'un an. Donc il date un peu, il est sous format PDF. Je sais plus où je l'ai fourré. Mais vu qu'on enfin, me l'a pas demandé, mais je vois beaucoup de questions là-dessus. Comment rester en SS, comment on fait ci, comment on fait ça, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo? Ça va aider ceux qui veulent, et puis ceux que ça intéresse pas, bah tant pis. Parce que j'en connais certains qui n'ont absolument rien à faire de ce mode-là. Qui ne les intéressent pas plus que ça, que de naviguer entre S et SS, tu perds qu'une DB. Donc l'intérêt n'est pas extraordinaire non plus. Je pense que si les récompenses auraient été plus conséquentes, surtout au niveau des Dream Balls, je pense que ça on aurait eu beaucoup plus de SS. Sur le jeu en fait. Donc concernant le mode ligue, hein, bien sûr. Et aussi parce que bon là, les 3 quarts, les 90% des gens que je connais sont capables de se passer à Triptim. C'est tous des mecs PVP, et puis ça c'est un mode PVE, donc ça n'intéresse pas plus que ça. Voilà. Donc je vais essayer de vous détailler un maximum le mode ligue, vous l'expliquer rapidement parce que je pense que tout le monde le connaît maintenant. Et attacher une importance plus particulière à comment monter une bonne team. Comment faire en sorte d'avoir une grosse team et de rester dans le top SS. D'accord ? Parce qu'avant, c'était plus facile. Après, il y a une période où c'était beaucoup plus facile. Il y avait un peu de recherche à faire, mais c'était beaucoup plus simple. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Faut avoir un petit peu de technique, mais quand on a la technique, une fois qu'on a la technique, ça va vraiment très vite. Voilà. Ça vous prend. Il faut avoir aussi un peu de chance, bien sûr. Ça peut vous prendre 5 minutes. 5 minutes pour arriver à avoir un bon score comme vous l'avez à l'écran. Ou ça peut vous prendre vraiment très longtemps. Genre ça peut vous prendre toute une semaine. Toute une semaine pour trouver la bonne team pour pouvoir arriver à un score comme ça. Quoi. Voilà. Ok, donc on va commencer le détail tout de suite. Ok, c'est parti. Alors je vais faire ça. Ok, nickel. Alors, ok. Donc là, vous avez bien ma souris à l'écran, donc on est bon. Alors ici, vous avez donc votre rang, donc rang SS, vous avez le rang ça commence par D, C, B, A, S et SS, ok. Sachant que le SS c'est le plus haut, il y a un score à atteindre, alors le score je peux pas vous le donner, mais on va dire que c'est une moyenne, plus vous avez de gens qui sont forts en dessous, plus la moyenne va être haute, plus vous avez de gens faibles, plus la moyenne va être basse. C'est ça en fait. Donc pour faire le plus gros score possible, moi je vous conseillerais, pour être tranquille, mais vraiment tranquille toute la semaine, faire le score et après plus revenir, juste pour faire les matchs, pour avoir la DP quotidienne. Vous avez, je dirais, vous faites 24 500, dans les alentours de 24 500, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille, ok? Voilà. Donc là, on est en début de semaine. On est lundi, donc là, la moyenne est de 24 131. Elle va sûrement descendre un peu. Elle va sûrement descendre un peu, comme elle peut monter un peu. On n'en sait pas encore. Mais disons que là, le score que j'ai là, je sais que j'ai plus à revenir dessus. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc ensuite, donc là, au centre, donc on a le... Donc vous avez 6 jours avant la fin, mon roi actuel, d'accord ? Mon recueil de 193e, je suis dans le maintien, donc je suis en jaune, pas de souci. En rouge, je serai relégable, donc il aura fallu que je force. Ok, donc ensuite, donc là, ça ne nous intéresse pas, ça c'est pas intéressant. Alors, ensuite, alors ici, vous avez votre équipe défensive. Alors, je vous conseille pas trop d'attacher une importance à ça, c'est vraiment pas important actuellement. Sauf si vous avez envie de faire chez le monde ou de faire une team qui permet aux gens de faire des gros scores, vous pouvez le faire aussi. Moi, j'ai juste mis une team au cas où. J'ai juste mis une team au cas où. Donc voilà. J'ai juste mis une team au cas où comme ça. Une team passable. Donc ça passe tout seul. Allez. Donc ensuite. Alors, là, je vous avoue que j'ai pris du temps avant de trouver celui-là. Hein, d'accord. J'ai eu de la chance, mais j'ai pris du temps. J'ai pris 3 jours pour entre samedi et lundi. J'ai pris 3 jours pour trouver un bon script. Une bonne team avec une team qui est prenable. Et avec une team où j'ai enregistré auparavant, donc j'ai fait un pré-enregistrement pour pouvoir vous montrer à peu près comment on fait, la technique, etc. D'accord ? Voilà. Alors, donc, il faut savoir que la plupart des teams que vous allez rencontrer, vous aurez les paramètres là, c'est à ça que vous devez vous attacher. D'accord ?
Donc je vous en parle vite après, on y revient, d'accord? Alors, sachant que vous allez devoir faire attention à la puissance totale, et ça. Donc, dites-vous que si vous partez sur une team qui a des liens ou qui a du debuff, c'est pas la peine, vous allez avoir du mal, d'accord? Partez sur une team vraiment à 0 à 0, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple, et c'est le meilleur moyen d'arriver plus vite. Alors, maintenant, on va s'attacher à à votre team. Donc ouais, voilà, ok. On va prendre n'importe quel team, hein. Ok, ça n'a pas d'importance. Ok, voilà, alors là, votre team. Alors ça c'est la mienne. Ça c'est la mienne, oui je suis à 10 000, ok. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi. Alors, vous avez différents paramètres. Alors, on va cliquer là-dessus, d'accord. Donc vous avez différents paramètres. Plus vous atteignez ces paramètres, plus votre score augmente, d'accord. Sachant que le maximum de team est à 10 200. 10 200 ou 10 100. D'accord. Donc, ensuite, alors, je vais vous les décrire l'un après l'autre. Donc, vous avez le type de joueur. Alors, le type de joueur, c'est vous avez trois catégories. Vous avez Asie, pleinement Asie, que des joueurs Asie. Vous avez Europe et Afrique, et vous avez Amérique, Amérique, Sud, Amérique du Sud et Amérique du Nord, avec avec des mecs comme comment il s'appelle, avec des mecs comme Bacchus, ça rentre dans la team, d'accord. Donc là, ici, donc le type de joueur, c'est une couleur, 5, 11, 18, 5, 8, 11, 18, d'accord. Donc ça, bon, ça commence à 6, 6, 7, donc vous voyez qu'au fur et à mesure, ça monte, d'accord. Le maximum, vous devez avoir 11 joueurs de type force, technique, vitesse sur le terrain, d'accord. Ça vous donne un maximum de 500 points. Ensuite, vous avez la région. Donc la région, comme je vous l'ai dit auparavant, vous avez Asie, Japon et Asie. Donc Asie, c'est Asie, hein, tout simplement. Ils se sont pris la tête avec Japon et Asie, mais c'est Asie. D'accord. C'est Asie. Donc ensuite, vous avez Europe et Afrique et Amérique. Amérique, donc Amérique du Nord et Amérique du Sud. Voilà. Donc c'est même nationalité. Vous devez avoir les joueurs de même nationalité. Donc en gros, pour avoir 1000 points, vous devez avoir par exemple 11 joueurs asiatiques ou 11 joueurs Europe-Afrique ou 11 joueurs américains. Voilà. C'est, enfin 18, pardon. 18, c'est ce qui va le plus vite. Ok. Donc ensuite, alors les paramètres. Les paramètres, alors là, les paramètres, il faut faire attention. Il faut faire attention à bien à avoir les bons paramètres. Ok. Alors, on va descendre. Alors, avant que je vous parle des paramètres, calquez-vous sur une chose. Il n'y a pas, pour aller au maximum, il n'y a pas d'autre formation que la 3-2-3-2. Mettez-vous ça en tête. La 3-3-1, 3-3, 4-1-2, 3, 3-1-4-2, 3-2-4-1, 3-2-2-3, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Arrêtez de chercher. Vous ne creusez pas la tête. Ça ne marche pas. Vous ne serez jamais au maximum. Non, ça ne marche pas. Voilà. Comme ça, c'est dit. Alors, donc, alors ensuite, donc pour avoir les points maximum dans cette catégorie-là, il faut que certains joueurs atteignent certains paramètres à plus de 10 000. Par exemple, vous devez avoir un gardien qui a 10 000 d'arrêt et 10 000 de punch. Ok, pour avoir le maximum ici. Ensuite, vous devez avoir des défenseurs qui ont... le temps que ça s'affiche, parce que je ne me souviens pas de tout exactement, voilà. Vous devez avoir 5 joueurs MD et DF qui ont 10 000 rencontres. Ça veut dire que si vous avez des défenseurs qui ont double poste, mettez-les, c'est le plus intéressant. Donc 10 000 rencontres. Il doit avoir 10 000 rencontres. 10 000 en tacle, vous verrez. Donc là, vous avez 10 000 en inter, ok. 10 000 en tacle. D'accord. Donc 5 joueurs MD, tacle, inter, contre, à 10 000. Regardez, là ici... Et vous devez avoir 10 000 en passe aussi. Ok. Donc, vous savez, il y a des défenseurs comme Tiger Brahm, comme Mizugi, Kals, tout ça qui ont des bonnes stats et qui sont double poste. Il ne faut pas hésiter à les utiliser aussi. D'accord. Je vais vous donner des exemples comme ça, mais il y en a beaucoup. Il y a Izawa, il y a les Tachibana. Non, pas les Tachibana, parce que les Tachibana, ils sont un peu faibles en contre. Vous voyez comme il faut trouver des joueurs un peu spécifiques. Je vous montrerai avec ma team, vous allez comprendre. Vous comprendrez très très vite. Voilà. Donc, alors attention, donc là on a les quatre paramètres à avoir pour les défenseurs, donc tacle, contre, inter, passe, et là on passe au MD. Les MD. Oula, attends, je suis remonté un peu plus haut. Ok.
Ok, voilà. Alors, les MD devront avoir, il y a des tacles, tacles, contre, tacle, contre, inter, passe. Voilà. Ensuite, et ça, c'est les MD. Ensuite, vous avez les MO. Les MO devront avoir, là, vous avez la passe. Vous avez la passe, le dribble. Là, c'est les MO. La passe, le dribble et le tir. D'accord? Donc, les MO, il va falloir privilégier des MO qui sont buteurs. Ou après, 10 000, c'est facile. Maintenant, c'est facile à atteindre. Avant, c'était compliqué. Maintenant, c'est beaucoup plus facile à atteindre. D'accord? Donc, vous allez trouver. Donc, après, vous avez les attaquants qui ont 10 000 en dribble et en tir. Ça, c'est plus sympa à voir. C'est plus sympa à voir. Donc, voilà. Vous avez à peu près les paramètres. Hein, ok? Donc en dribble et en tir. Ça suffit largement. Le reste, c'est pas la peine. Voilà. Voilà. Donc en prenant donc tous ces paramètres en compte, donc si vous les prenez tous, vous arrivez à 4 000. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous arrivez entre les 5 là, entre les 3, pardon, vous arrivez déjà à 5 000, c'est bien. C'est pas fini. Libération de limite. Alors, là, c'est simple. 4 et 4. 4 et 4. Donc vous avez la libération de limite 35 fois. Et 4 fois pour tous les joueurs. D'accord? Donc ça, là, ça va être pour tous les joueurs. Donc, vous prenez pas la tête. Tous 4 et 4. Point barre. Si vous n'êtes pas BB4 et pas explosé avec les médailles aidées, ça fonctionne pas. Donc, il va falloir trouver des persos adéquats. En fait. Voilà. Voilà. C'est tout. Vous n'avez pas à chercher midi à 14h. Ensuite, les liens. Non, attends. Là, je vais venir à ça en dernier parce que le lien, c'est le plus compliqué. Alors ensuite, ça, c'est facile. Toutes les premières TS doivent être à S99. Les TS secondaires ne sont pas importantes. Que la TS principale à S99. À 99 au maximum. Ça peut être une C40, une B60, une A80 ou une S99. Ça revient au même. Pas de souci là-dessus. Ok? Donc, ça, c'est bon. Ensuite, la rareté. Donc, tous les jours en UR. Donc, ça, pas de problème. Les 18, hein. Bien sûr. Et évolution potentielle. Il faut que ce soit tous évolués au potentiel. Voilà. Tout simplement. Maintenant, les liens. Alors, les liens, c'est particulier. Les liens, vous devez avoir 30% inter, 30% contre un keeper. Ensuite, 30% de debuff et 30 et 40% de buff. Pour avoir un maximum de 2000. Ok? Donc voilà, vous voyez qu'il me manque 100 points, moi, parce que je vais vous expliquer pourquoi il me manque 100 points. Alors, voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Alors, pour arriver à 10 100, d'accord? Si vous n'avez pas 10 100, 10 100 qui est le maximum, c'est pas grave. Hein. Vous prenez pas la tête en vous disant, ah oui, mais j'arriverai pas parce que j'ai pas 10 100 et tout. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais si vous voulez avoir ce truc-là, il vous faut déjà 4 choses. Déjà, un, il vous faut monter une jape rouge. Vous n'aurez pas le choix. C'est une jape rouge. Ça va être obligatoire. La deuxième étape, c'est qu'il faut, il faudra bien sûr jouer en 3-2, 3-2. Et la troisième étape, c'est d'avoir ces persos-là. Alors, il y en a trois qui sont, à mon sens, qui sont indispensables pour arriver à 10 100. Il y en a un que vous ne pourrez plus obtenir. C'est plus possible. Il fallait l'avoir à l'anniversaire. D'accord? Donc, le premier, c'est le premier Jito Dreamfest. D'accord, qui apporte 15% à l'auto-inter avec 4 joueurs japonais. Donc voilà pourquoi je vous dis de monter une jap. D'accord. Le deuxième, c'est le Matsu Rouge anniversaire qui est là l'année dernière, je crois. L'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Voilà, il faut 2 japonais de type force. Voilà pourquoi il faut une Asie rouge. Ok. Et enfin, le troisième perso, c'est Monsieur Grodoba. Alors Grodoba, enfin un Grodoba qui sert à quelque chose. Voilà, qui donne 15% en contre. Ok. Alors n'oubliez pas, regardez, avec 2 persos. Alors, contre, là. Ah oui, pardon, j'ai pas cliqué le truc. Mais là, vous avez. Il donne 20% d'auto-inter. Hein. Là, le lien est ici. Il donne 20% d'auto-inter. Donc, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Et lui, il donne 15% en contre. Donc, entre lui et lui, vous avez 30% en contre. Plus du lien. Plus du lien. D'accord? Ce qui est important aussi. Si vous avez les deux, c'est très bien. Si vous n'avez pas les deux, c'est pas grave. Mais vous aurez pas, vous ne pourrez pas taper le top score. Qui est de 10 100, je rappelle. Voilà. Voilà. Donc, vous avez ces trois persos-là qui sont, à mon sens, comme je vous l'ai dit, indispensables. D'accord? Si vous les avez pas, vous n'arriverez pas à 10 100. Moi, j'ai vu aucune équipe à 10 100 avec ces persos-là. D'accord? Sans avoir ces persos, pardon. Donc, ensuite,
Ensuite, donc ici, on va arriver ici. Voilà. Alors ici, donc là, c'est les scores à atteindre. Donc vous devez avoir 30% de taux inter-équipe, 30% contre, 30% de debuff et 40% de lien pour être au maximum. Je suis à 36, d'accord? Alors regardez, je vais vous montrer quelque chose. Ce Matsu-là aussi est important. Le Matsu rouge, c'est un Matsu 3%. Il donne du lien, il donne du debuff. Il est très très important aussi. D'accord? Moi, regardez, j'ai compensé avec le calce. J'ai compensé avec le calce vert pour les auto-contre. Pour le contre équipe. D'accord? Alors, pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Dites-vous qu'en 4 persos, vous devez avoir ces liens-là. 4, pas plus. Si vous avez des liens en plus, comme pour Jito et comme pour Matsuyama, c'est le top niveau. C'est l'idéal. Okay. Si vous ne les avez pas, c'est pas grave. Je vous répète, c'est pas grave. Ça ne va pas vous empêcher d'arriver à rester en SS. Mais voilà, pour rien vous cacher, avoir 10 000, ça facilite la vie. Quand on arrive à 10 000, 10 100, ça facilite la vie, c'est beaucoup plus facile. Ok? Voilà. Alors ensuite, après, vous devez vous dire que avec le minimum de joueurs, vous devez arriver à 30% de debuff. Donc ça, c'est plus facile. Après, il faut avoir les persos. Les persos à 8% de debuff, comme Diaz et... alors, le Diaz Dreamfest rouge, qui a eu un rework il n'y a pas longtemps. Et le Chester bleu, Dreamco, qui apporte 8% de debuff aussi. Donc, ensuite, vous prenez les 7,5%. Voilà, vous mettez tout ce que vous avez pour arriver à 30%. Et après, vous comblez avec les liens. Normalement avec les liens, regardez. Avec les liens, si j'aurais eu Jito par exemple à la place de ce calce là, bah, je serais à 40. Parce que lui il donne 4,5. Là lui il donne. Lui il donne 1. Voilà, je serai à 4,5. Je serai à 40. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça, c'est clair, hein, d'accord? J'espère que c'est clair pour vous. Donc en mixant bien, là je peux pas vous dire, je vais pas vous dire comment il faut faire exactement. Je vous ai donné les persos à voir, les persos que je peux vous conseiller, pardon, pour arriver à 30 et 30. 30 et 30, c'est très bien. Si vous avez 30 et 30, c'est très bien, d'accord. Le palier au-dessus, c'est vous avez 35 et après 40, d'accord. Mais si vous avez 30 et 30, c'est très très bien, d'accord. Vous prenez, si vous voulez vraiment atteindre le max, là c'est vraiment pour le fun, vous allez chercher le 40, mais sinon... Il n'est pas indispensable, mais l'avoir, c'est déjà très bien. Ok? Voilà. Alors, ensuite. Donc, enfin, pour terminer. Alors, je vais vous... alors, je vais vous passer une vidéo. D'accord? Je vais vous passer une vidéo où je vais vous montrer le score que j'ai fait. Le score que j'ai fait et comment y arriver, d'accord. Je vais arrêter la vidéo au fur et à mesure, et ensuite je vais vous expliquer la technique pour pouvoir aller vite, d'accord. Parce que le but étant de pouvoir marquer un maximum de buts pour pouvoir faire monter le score. Plus vous avez de buts, plus le score est intéressant. Alors, petite chose, avant de commencer, il y a quelque chose que vous devez faire, d'accord, qui est indispensable, parce que sinon vous n'allez jamais y arriver, d'accord. Regardez, je vous montre. Déjà, là j'ai désactivé, hein, mais je vais le remettre après. Alors, pour pouvoir être bien, il va falloir vous décocher quelque chose. D'accord? C'est de la triche, mais c'est pas grave. Alors là, vous allez dans jouabilité. Vous allez dans jouabilité ici. Et vous désactivez ça. Là. Non, en principe, il est comme ça. De base, il est comme ça. OK? Mais vous désactivez. Je vous explique tout de suite après pourquoi, vous inquiétez pas. Voilà, vous le désactivez, vous retournez dans votre mode, donc le mode ligue, tac, j'ai un match, et ensuite vous envoyez. Alors, maintenant, je vais laisser tourner la vidéo, et ensuite je vais arrêter au fur et à mesure pour vous expliquer, d'accord? Voilà. Alors, la vidéo est là, et on y va. Allez, c'est parti. Alors regardez, la pause. Alors ça, c'est le type d'équipe à éviter. Alors
En général, lorsque vous cherchez une team, ça peut être long, ça peut être très très long, vous devez trouver une team qui a un gardien faible et des défenseurs faibles. C'est-à-dire que des défenseurs que vous pouvez sauter en tir blanc. Si ce n'est pas possible, ne le faites pas, parce que sinon vous n'allez jamais y arriver. Regardez. Ça, c'est le type d'équipe piège. Vous voyez un gardien faible ici, et vous vous dites super, on y va. Mais le défenseur qui est là, regardez, la casse, il a S99. Regardez. Je vais remettre juste un petit peu avant. Regardez là, voilà, regardez, hop. Déjà, le défenseur central est à S99. Donc en tir blanc, vous n'allez jamais pouvoir le sauter. Là, S99, S99, S99. S aussi, 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 aussi. Voilà. C'est mort. C'est mort. Dites-vous que là, c'est mort. C'est pas possible. Dites-vous que lorsque vous allez arriver avec votre team. Lorsque vous allez arriver avec votre team, je vous montre quelque chose vite fait. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Regardez. Je prends n'importe quelle team, hein, c'est pas le plus important. Regardez. Là, vous commencez avec une team, vous n'avez pas de compétences d'équipe. C'est ce que vous devez faire à la base, hein, avant de commencer. D'accord? Vous pourrez changer à la mi-temps. C'est pour ça que j'ai dit ne pas sauter la mi-temps en mode auto. Parce que le mode automatique est préconisable pour le mode ligue. D'accord? Vous ne pourrez pas marquer un maximum de points sur le mode auto. Okay? En mode manuel, vous perdez 50% des points. Donc je vous laisse imaginer. Hein, c'est impossible. C'est doublement impossible. Alors, vous démarrez comme ça. Donc vous devez enlever vos compétences d'équipe. Okay? Ça changera rien à vos points de tech. Okay? Mais vous devez les enlever pour pouvoir les remettre à la mi-temps. Ensuite, à la mi-temps, je vais vous montrer, vous pourrez modeler comme vous voulez. Et là, vous serez au maximum. D'où l'intérêt de ne pas avoir de défenseur central adverse avec des grosses stats. Parce que sinon, vous ne pourrez pas le sauter en tir blanc. Dès que vous récupérez le ballon, il faudra cartonner en tir blanc. En général, ça passe. J'ai bien dit en général. Si le gardien est faible et le défenseur central est faible, ça passe. Okay? Ensuite, comme je vous ai dit, il faut être un petit peu technique. Voilà. Je pense avoir tout dit sur ce mode-là. Ok. Donc, on retourne à la vidéo. On retourne à la vidéo. Voilà. Je remets play et on y va. Voilà. OK. Donc, là, j'ai sélectionné donc la première team. La première team avec le Muller. Voilà. Alors, pause. Ici, c'est bon, mais il y a quelques pièges. Regardez. Vous allez comprendre. Il y a quelques pièges. Regardez. Le gardien est faible, c'est bon. Le défenseur central, c'est bon. Pour l'instant, c'est parfait. Mais vous avez, regardez, à gauche et à droite, les défenseurs sont au max. Donc ça va être un peu compliqué. Ça complique un peu la tâche. Ça ne la rend pas impossible. Okay? Ça veut dire qu'il faudra envoyer son tir blanc au bon moment. Ensuite, là, le piège, c'est Kals. Alors, Kals, qui est défenseur aussi de base, les tirs blancs, il les récupère. Donc, mais là, il en MD. Donc, ça laisse un peu de chance de pouvoir faire quelque chose. Ensuite, troisième piège. Troisième piège. Donc, là, c'est bon. Là, c'est bon. Regardez. À droite, vous avez Tiger Brand. Tiger Brand qui est au max. Ça complique la tâche. Vous avez aussi Sorimachi en attaque. Ça complique la tâche aussi. Il est en S99. Ensuite, TP. Bon, TP, ça va. Et ensuite, à gauche, donc les deux Sakochu, Oda, là, ça va aussi. Alors, stop. Avant de commencer le match. Là, vous avez, ici, là. Ici, vous avez le pourcentage. D'accord? Le maximum étant de 50%. Je vous déconseille. Alors, je vous déconseille d'affronter une team à moins de 50%. Pourquoi? Je l'ai déjà fait. Hein. Moi, je suis déjà tombé avec des teams à 40%. Et pour pouvoir passer à 50%, j'ai dû baisser les stats, c'est-à-dire j'ai dû mettre des défenseurs à la place des MD pour pouvoir baisser un peu. D'accord? Et baisser un peu la puissance totale et arriver à 50%. Alors pour savoir que pour arriver à 50%, il faut plus de 500 000 points d'écart entre votre team et la team adverse. S'il y a plus de 500 000, vous êtes à 50. Si vous avez moins de 500 000, ben vous serez à 40. Et après, plus ça se rapproche, plus le taux est moindre. Okay? Alors, ensuite, ici, vous avez. Ici, vous avez le mode manuel et le mode auto. Alors, si vous passez en mode manuel, ici, là, ça passera à 5000. D'accord? Et si vous mettez en mode auto, donc là, vous êtes à 10 000.
Pas de souci. Enfin, c'est mieux. Vous serez à 50% de votre deck. Et en mode auto, vous êtes à 100% de votre deck. C'est plus simple à dire comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais envoyer le match. C'est parti. Ok, on y va. Donc la team. Ok. Allez, c'est parti. Alors, donc là, stop. Alors là, oui. Je vais faire beaucoup de pauses. Hein, je suis désolé. Oui, donc là, on est en mode auto. Alors, immodifiable. Immodifiable. Déjà, on n'a pas le tir ici, ce qui est dommage. Là, ça aurait simplifié. Pardon. On n'a pas le tir ici. Ça aurait été plus simple d'avoir le tir auto, mais ça simplifierait trop les choses. Ok. Alors, là, à l'engagement. Alors, l'engagement, là, pour moi, il est idéal. Il est idéal. Pourquoi? Parce que, en allant très vite, parce que n'oubliez pas que le mode League va très vite, donc c'est en auto, donc ça peut aller vite. Le mec, l'IA peut décider de faire une passe directe ou quelque chose direct. Voilà. Mais si vous avez le temps, vous voyez que votre MO avance, vous pouvez programmer le tir, vous faites tir spécial et vous envoyez direct. Si votre MO, le MD adverse est faible, ça passera par-dessus, c'est but. Et là, à ce moment-là, vous êtes un peu en roue libre. D'accord? Vous passerez à la deuxième étape. Récupération, tir. Voilà. Le mode League, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est simple. Ça peut être chiant, mais c'est simple et c'est un peu technique parce qu'il faut savoir aussi tirer au bon moment. Et savoir aussi quoi faire pour ne pas se ravoir. Alors, play maintenant. On y va. Là, regardez. Alors là, j'ai eu de la chance. Regardez. Je remonte un petit peu en arrière. Regardez, hop. Cal si c'est décalé. Donc, hop, j'ai envoyé le tir blanc direct. Ça passe par-dessus le défenseur. Là, il y a une claquette. C'est dommage. C'est pas grave. C'est Captain Tsubasa Dream Team. Hein. La RNG fait que... Je sais que c'est une claquette parce que vu la différence entre les deux, j'ai déjà fait des milliers de fois, je vous assure que c'est une claquette. Donc, Cal, là, c'est le pire qui récupère le ballon. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait pu être n'importe qui. N'importe qui, mais là, c'est le pire. C'est Cal. Cal qui est en S99. Moi, joueurs qui n'ont pas de... de leader skill, ça va être compliqué de récupérer le ballon. Regardez. Là, il passe. Il a eu deux duels. Il passe. Hop, voilà. Je récupère le ballon grâce à Izawa. Tout de suite, l'IA, elle a transmis en avant. Hop, direct. Direct. Donc là, vous voyez, ici, là, je vais mettre légèrement en arrière. Regardez ici, là. Ici, là, au moment où je récupère le ballon. Là, ça va spam. Hein. Regardez. Hop. Voilà, regardez, vous avez vu? Deuxième souci, là j'ai tiré à blanc, sauf que Radunga il était sur le passage. Il est à S99, il est au maximum, donc il a récupéré le ballon. Là j'ai pu récupérer le ballon avec Wang, c'est parti. Là j'ai plus personne sur ma trajectoire, j'ai tiré. But. Et là, j'ai perdu beaucoup de temps, 26 minutes. 26 minutes, oui, c'est beaucoup. 26 minutes en général, pour aller vite, il faut marquer dès la 13e minute, pour avoir un score au maximum, d'accord? Mais bon, 26, c'est pas mal aussi. Okay, on va voir par la suite. Là, à partir du moment où vous avez, plus vous marquez tôt, plus vous avez de chances de planter plus, un maximum de buts. Ok? Alors, on continue. 1-0. Là, récupération. Alors, là, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est bien d'avoir en face, d'avoir des joueurs offensifs à soit faible TS ou soit très faible stat pour pouvoir faciliter la récupération. Alors, pour être intelligent et avoir une bonne team, il est plus intéressant de mettre en attaque des joueurs qui savent récupérer, qui ont des grosses stats de récupération. D'accord? Donc, Vulcan, vu qu'il a un double poste attaque-défenseur, c'est le seul du jeu à avoir ça, en plus, c'est bien. Nita, un peu moins, ça va. Mais ça va, il se défend pas mal. Ok? Donc, c'est parti. Alors, ici, là, l'erreur que j'ai faite ici, c'est de ne pas passer en offensif. Regardez où il est, mon Vulcan. Là, c'est bien d'avoir les deux là. Il est de là. C'est bien comme ça, c'est pas bien aussi. Parce que là, vu qu'il est devant, l'IA, elle va partir tout droit. Elle va pas chercher à faire une passe en retrait. C'est très très rare. Regardez. Là, elle fonce. Hop. Là, j'ai plus personne devant. Je canarde. Ça passe le défenseur central. Et après, c'est quasiment la même chose. Voilà. Regardez la passe. Ça passe. Récupération du ballon. Il faut tirer direct. Là. Alors là, voilà. La petite astuce. Deuxième mi-temps. Alors, je vais laisser sur play. Deuxième mi-temps, je mets mes leader skills. 1, 2, 3. Voilà, parfait. Là, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir récupérer les ballons.
vu que l'autre est à 0%. Moi, j'ai mes liens, je mets 65. Voilà. Alors ensuite, là, je vous montre autre chose aussi. On peut aussi changer la format pour passer à quatre attaquants devant pour pouvoir faciliter la récupération. OK? Donc après, j'ajuste. Voilà, j'ajuste. Je mets le maximum d'attaquants. Je mets les attaquants qui récupèrent le plus facilement au milieu. Voilà. Je fais mes petits changements. Tac. Et voilà. 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 Parfait. Parfait. Mais bon, là, vu que pour la démonstration, j'ai laissé en. Parce que tout le monde n'a pas cette format-là. J'ai laissé en 3-2-3-2. D'accord? Donc là, voilà, j'ai remis à 0. Là, je remets mes liens. Et ensuite, j'envoie. Alors, là, la récupération va être plus facile. Donc là, c'est la même méthode qu'après avoir marqué le premier but. Récupérer en cadre. Voilà, on en a passé Radunga. Alors, la pause. Alors, là, ce qui est embêtant, voilà, pause ici. Regardez. Là, le fait que Radunga, Tiger Brand, Mizugi et Kals et Oda soient à un gros niveau, la récupération de ballon est plus compliquée. D'accord? C'est pour ça que, on peut passer toute une semaine à trouver une team pour faire un maximum de points et on ne la trouve pas. Parce que il n'y a pas que ça. Il y a aussi des grosses teams, il y a un peu de tout. Donc vous aurez du mal, vous pouvez avoir du mal à trouver une bonne team, comme vous pouvez trouver les bonnes teams tout de suite. Là, j'ai eu de la chance. Vous verrez après pourquoi. Enfin, vous avez vu que j'ai fait 24 900 quelque chose. J'ai eu de la chance. D'accord? On est lundi. La chance, il y en a. J'ai déjà trouvé moi une team le dimanche au dernier coup. Au dernier coup, j'ai trouvé une team pour pouvoir faire mes points et rester en SS. Donc vous pouvez passer beaucoup de temps. Il va falloir un peu de patience pour pouvoir y arriver. OK? Bon, alors donc faut pas se désespérer. Faut chercher la bonne team. Parce que après, vous pouvez faire. Ça peut faire le tap avec des teams comme ça. Mais. Faudra forcer un peu, il faudra être vigilant, il faudra pouvoir récupérer les ballons vite et pouvoir tirer au bon moment, etc. Alors que lorsqu'il y a une team où tous les défenseurs sont faibles, où tous les attaquants peuvent être récupérables facilement, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Vous avez une récupération tout le temps, vous canardez, vous canardez, vous canardez, et puis après vous y arrivez. Voilà. Voilà, donc après ça continue. Hein. Voilà, j'ai tiré vite fait. Et après voilà, c'est roulé jusqu'à la fin. À chaque fois. Récupération, l'IA fait la passe, là je perds le ballon. C'est pour ça qu'il faut pouvoir tirer tout de suite. Regardez, voilà. Dès qu'il a le ballon, il faut canarder. Et voilà. Et voilà. Donc voilà, donc 5-0, c'est un bon score. Avec 10 000, c'est un bon score. Voilà, donc 24 800, c'est très bien. Alors, c'est maintenant. Alors, maintenant, le plus important. Le plus important. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que lorsque vous faites ce mode-là, si vous n'y arrivez pas une première fois, vous avez des chances d'y arriver. Après, là ici, vous pouvez actualiser que 5 fois. Une fois que les 5 sont épuisés, que vous n'avez pas trouvé une team, vous êtes obligé de prendre une team pour pouvoir faire le point, etc. Vous avez 3 tickets par jour. Voilà pourquoi ça peut être compliqué, redondant, fatigant. Et puis après on en a vite marre. Et puis on se dit, bon vas-y, je ne fais pas le score cette semaine. L'autre semaine, je ferai le score. Et après, donc c'est pour ça qu'il y en a qui naviguent entre les deux. Et puis il y en a qui marquent et ont lâché l'affaire. Voilà. Et puis aussi avec les histoires de reroll, puis reroll, tout ça. Donc, les mecs qui ont 4000, 5000 DP, faire 5 DP par semaine, ça les intéresse pas du tout. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, pour terminer, alors, je vais vous montrer juste la team, donc celle-là. Donc là, j'ai eu de la chance, donc elle est tombée tout de suite. On va regarder, j'ai pas regardé, hein, on va découvrir ensemble. Alors, est-ce que la team est intéressante à taper? Pas trop. Pas trop, voilà. Après, c'est des mecs coffres. Donc oui, donc là vous êtes sûr que, regardez, là il peut vous marquer, et là il peut vous marquer. Donc avec un peu de chance, c'est compliqué. Regardez, là S99, là c'est facile, là
là ça va, vous pourrez le sauter. Mais il a, attention, il a des TSAS 99. Là, S50, ça peut être chiant. Là, c'est chiant aussi. Là, c'est que ça va être compliqué de le sauter. Ça va être compliqué de le sauter parce qu'en plus, lui, il a tueur d'attaquant. Et lui, ça va être compliqué de passer. Donc après, si vous y arrivez, ça va être un peu, ce sera un peu moins difficile que la team que j'ai affrontée, d'accord, que je vous ai montré en exemple, mais ce sera compliqué aussi, d'accord. Donc voilà. Voilà. Donc ensuite, deuxième défaut de la team. Deuxième défaut de la team, je suis à 40%. D'accord. Donc comme je vous ai expliqué, là, donc là, je suis obligé de tricher, par exemple. En fait, il faut que je baisse le niveau de ma team pour arriver à 50. Donc en fait, je peux faire ça. En faisant ça, regardez, je passe à 9700, mais là, je passe à 50. Mais j'ai perdu 300 points. Donc ça veut dire, si je perds des points, ça veut dire qu'il va falloir que je marque plus de buts. Voilà pourquoi je vous dis, il faut mieux trouver une team à 50% tout de suite. Ça peut être long. Ça peut être long, mais une fois que vous l'avez, voilà, c'est l'idéal. Mais après, il ne faut pas se planter. Il faut pouvoir bien faire les choses. Donc voilà. Voilà. Donc je peux pas. Ouais, donc là on arrive au bout de la vidéo. Donc je vous ai dit le maximum. Tiens, regardez. Je vais juste vous montrer ça. Regardez. Voilà, moi manuel 5000, 50%. Et là je suis à 100%. Regardez. Et après, c'est plus facile de marquer les buts comme ça, oui. Mais vous n'arriverez jamais à dans les 23 000, 24 500. C'est impossible. Vous êtes obligé de laisser ça à 10 000. Voilà. Ensuite, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Plus vous marquez de buts, plus vous montez en points. D'accord? Ensuite, vous avez les paramètres de bonne lecture, etc. Mais la bonne lecture en mode auto, voilà quoi. C'est impossible à déterminer, alors que le nombre de buts, vous pouvez faire en sorte de faire pencher la balance en votre faveur. Voilà. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit. Je pense vous avoir tout dit. Vous avez la manière de faire de votre team, le nombre de comment engranger un maximum de points, avec quel perso avoir des points. Donc pour au plus simple de mémoire, vous avez Casagrande World Youth, le bleu, qui a le contre-auto équipe, qui peut vous aider. Je vous ai montré le Cals aussi. Vous avez Grodoba DC, il est un peu plus chiant à voir, mais bon, vu qu'il est très nul, donc il tombe relativement souvent. Vous avez donc le Jito Dreamfest, le Matsu, donc c'est compliqué à avoir aussi. Vous avez tous les persos qui ont l'inter-auto-équipe, qui ont le contre-auto-équipe, il faut pouvoir les mettre, d'accord, pouvoir les mettre pour avoir un maximum de points. Voilà. Voilà, donc c'est ça qui va faire que vous allez arriver tout en haut. Ensuite, il faut avoir les liens pour. Il faut avoir une bonne box aussi, hein, je ne vous le cache pas. Pour avoir une bonne team, il faut avoir une bonne box. Voilà. Donc c'est pour ça que la plupart des mecs qui sont tout au-dessus, c'est des mecs avec des comptes Day One. Voilà. Et ils ont tous une jab rouge. Hein. Vous regarderez par vous-même, ils ont tous une jab rouge. Si vous voyez qu'il y a une jab bleue, une jab verte, ils sont pas au maximum. Vous regarderez par rapport au point que je vous ai montré, au paramètre que je vous ai montré, vous verrez qu'ils ne sont pas à 10 100. Ils doivent être peut-être à 10 000 ou 9 900 par là. Mais ils ne sont pas à 10 100, ça c'est sûr et certain. Voilà. Voilà, donc on arrive au terme de la vidéo. Donc je vous ai tout montré. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bon farm, parce que bon, c'est pas évident, mais bon, si on, avec un peu de chance, on s'épargne une semaine de souffrance. Comme moi, là, je suis tranquille pour toute la semaine. Donc je peux juste faire mes points, ça n'aura plus d'importance. Enfin, juste faire mes matchs, ça n'aura plus d'importance. Victoire, défaite, ça n'aura aucune importance. Et puis voilà. Voilà. Donc bonne chance à vous. J'espère que ce tutoriel va en aider plus d'un. Et puis si ça vous intéresse pas, vous me dites et puis comme ça je le bazarderai. Voilà. Donc bonne chance en tout cas. Là, ce temps-ci, il y a les ponts, bon poule à vous, et puis bon courage sur Captain Space à Dream Team. Amusez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.